Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment accéder à l'ascension? Je vois que c'est un sujet qui fascine actuellement, mais sommes-nous prêts à faire l'effort nécessaire pour ascensionner? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Chacun de nous voulons savoir, sommes-nous prêts à faire l'effort de comprendre? Mais pour comprendre, nous devons être. Être, c'est aussi faire l'effort de faire. Mais faire, c'est aussi faire un certain travail personnel sur soi. Mais nous ne pouvons pas être si nous n'avons pas fait un minimum notre part. Notre mental nous mènera éternellement à l'extérieur de nous-mêmes si nous ne faisons pas un effort pour le dompter. Notre mental de singe veut savoir, car la peur le tenaille, alors il cherche, il va de ci, de là, à la recherche de celui qui lui apportera la meilleure réponse à ses questions. Jamais satisfait, il continue à chercher chaque jour, continuellement, et encore la même rengaine qui se répète. Toujours à la recherche de personnes désireuses de lui apporter un peu de soulagement dans ce monde de fous dans lequel nous sommes présentement. Les informations extérieures ne sont pas réjouissantes. Et pour cause, nous avons à garder un peuple sous contrôle pour mieux le manipuler. Et ce peuple se démène, cherche, va dans toutes les directions pour trouver un sauveur qui pourrait le soulager de sa douleur intérieure. Les informations, les médias, les experts, la politique, etc. sont bien en place, chacun apportant sa contribution à la peur. Mais si nous prenions la peine de mettre tout cela à la poubelle, nous verrions que plus rien ne nous atteint et que nous pouvons respirer enfin et que nous vivons et sommes beaucoup mieux. Aller en forêt ou au bord de l'eau pour nous refaire une santé mentale et tourner notre regard en nous-mêmes. Lorsque nous marchons seuls avec nous-mêmes, apprécions ces instants de grâce et de bonheur d'entendre la nature, de voir la beauté de la végétation, de sentir les odeurs et de toucher l'écorce d'un arbre. Développons nos sens à autre chose que toutes ces choses de la matière ajoutée et rapportée qui ne satisfont que les sens imprégnés de vices pour certains, de profit et de manipulation pour d'autres. Sortons de cela pour nous rapprocher de ce qui est grand et beau par nature. C'est en cherchant en soi que l'on retrouve ce que l'on a perdu. Reconnaissons-nous et assumons ce que nous sommes de toute éternité. Sommes-nous prêts à passer la porte du bonheur absolu, le portail de la paix et de l'amour? Prière, foi, lâcher prise et détachement sont des piliers importants pour nous tous. Sans le lâcher prise et le détachement, nous ne pouvons pas accéder aux valeurs les plus importantes de la vie. Les cinq valeurs humaines, que sont la vérité, l'action juste, l'amour, la paix et la non-violence. Nous voulons tous rendre cette soi-disant ascension difficile, alors qu'en fait c'est si facile. Abandonnons-nous par le biais du détachement et le monde sera à nous. Si nous ne nous abandonnons pas par détachement, nous ne pourrons pas accéder aux cinq valeurs humaines et donc nous ne pourrons pas ouvrir notre cœur. Les neuf étapes pour ouvrir notre cœur, le lâcher prise, le pardon, le détachement, les cinq valeurs humaines, les principes de la montre, un cœur ouvert, l'amour et le service, la paix et la joie, l'ascension, tout est un. Le test de passage pour la cinquième dimension. L'heure des examens, c'est maintenant. Avons-nous suffisamment travaillé notre sujet et sommes-nous prêts pour passer dans une classe supérieure? Car les tests sont proches. La conscience nous élève toujours plus haut
Et c'est ainsi que de la 3D, nous passons en cinquième dimension, laissant les limites de notre mental derrière nous. Abandonnons les attachements au monde le plus tôt possible, car ils ne peuvent plus nous servir comme par le passé. Ne basons plus notre vie et nos choix actuels sur des expériences passées, car maintenant, la dimension du temps et de l'espace a changé. Ce qui était autrefois ne sera bientôt plus. Rappelons-nous qu'en étant tous sous la protection de Dieu, nous n'aurons aucune peur, même dans les moments difficiles. Tout ce que nous avons à faire pour tenir la peur à distance, c'est prier le Seigneur. Veuillez permettre à vos esprits l'ouverture au changement et à la productivité. L'abandon et l'amour sera la dernière chance. Le seva, service, sera le dernier acte. L'amour plus le service égale Dieu. Vous aurez un choix à faire maintenant, car l'univers ne nous attend pas, parce qu'il poursuit sa route d'évolution avec ou sans nous. Om Namah Shivaya. Namasté. Merci à vous. Merci pour tout. Et belle ascension.